encore ici en Europe. Il dit que cette femme a eu un seul enfant. C'est-à-dire que la femme a accouché son enfant en Afrique. Elle a tout fait. Elle a voyagé. Elle est arrivée ici en Europe. Elle s'est mariée. Elle a fait venir sa fille ici. Son mariage a capoté. Elles se sont retrouvées dans la rue, dans les associations et tout. Sa fille a fait les études ici. Sa fille a un bon travail. Sa fille commence donc à sortir avec un gigolo. Voilà la fille. Sa mère est errée aussi à gauche et à droite avec un petit boulot. Elle demande donc à sa mère, viens habiter avec moi. Dès que sa fille a compris que elle sentait bon au niveau des reins là. Le sucre était en train de... Son gars commence à lui dire que mais ta mère, elle est gênante. Hein. Mais ta mère, elle contrôle tout. Hein. Mais ta mère, elle parle de tout. Hein. Mais je comprends pas. T'as pas de vie privée. C'est cela. Ah, vous connaissez la puissance de Libon. Ha. La fille a seulement regardé son mère que mon mère. Comme tu vois là vraiment, il va falloir que tu te débrouilles et tout et tout. Son mère la regarde comme ma fille. Tu es ma fille unique. J'ai sacrifié ma vie pour toi. J'ai tout donné pour toi. Et tout et tout. Elle a mis sa maman dehors. À l'heure que je vous parle, cette femme erre dans tout Paris. Elle est en train de chercher les sous-locations. Pourquoi ton un seul enfant que tu as accouché, un seul, et une fille? Parfois, on dit même souvent que les garçons ont les cœurs un peu durs. Une fille. Donc, dans la vie, si, oh, comme c'est les filles qui aiment les meilleures mamans, les garçons sont difficiles, c'est les filles qui aiment ceci, les garçons sont comme ça, les garçons sont ceci, les filles sont comme ça. Dieu peut te donner les filles, elles ne te calculent pas. Dieu peut te donner les garçons, tes garçons te calculent. Tout ce que tu peux faire, si Dieu met la main sur tes enfants, dis Dieu merci. Il n'y a pas de sexe que c'est les filles qui sont comme ça, c'est les gars. Ça, c'était avant. Au jour d'aujourd'hui, ton enfant, tu peux accoucher ton ennemi comme ça. Ah oui, tu peux accoucher un enfant, là, ça devient ton ennemi. Hein. Ah oui. Donc, rien ne doit vous surprendre dans la vie. Si.